Le collectionneur se doit d'être obsessif. Obsessif afin de trouver toutes ces pièces. Ces pièces qui sont rares, qui sont très difficiles à trouver et qui viendront compléter au mieux sa collection. C'est la passion qui anime le collectionneur, qui va lui permettre de s'entêter, de poursuivre sans cesse les pièces et de développer un niveau d'expertise très pointu dans un domaine que beaucoup de personnes seront bien incapables d'atteindre. Les faïences de Satsuma, c'est comme une grande fresque picturale qui serait dépeinte avec minutie et de nombreux détails sur deux petites surfaces tridimensionnelles. Ce qui fait la valeur des faïences de Satsuma, c'est le très haut degré de raffinement, c'est qu'il est très difficile de les copier. Et lorsqu'on les regarde assemblés au sein d'une collection, on est confronté à la vision du collectionneur, au travail d'une vie, et elle reflète son goût autant que sa personnalité. Thank you.